Bien, bonjour à tous. On est parti faire une petite journée au Salon de l'agriculture de Bordeaux. Je vais vous faire une petite visite. On va aller dans des stands qui m'intéressent et je vais vous filmer tout ça. Alors voici une démonstration de vendangeuses. Ils sont en train de faire un dans le stand agricole où il y a l'élevage. Là, c'est les limousines qui sont derrière moi. Je vais vous passer ça en vue. Alors, c'est des petits concours qu'ils font sur le salon de Bordeaux. Et de beaux bestiaux. De beaux bestiaux. Ça, c'est un taureau de la sieste. 717 QE 44 Volvo. Nous voici rendus au stand des Salers. Là, vous voyez les petits veaux, le mâle. C'est encore une race à viande, comme les limousines. Après, là, c'est des petits charolais, des gergeillaises. Ça, c'est des vaches à lait. Elles ont la spécificité de faire du lait avec beaucoup de matière grasse par rapport au Primo-Stein. En autre race à viande, la partenaise. Ça fait des beaux bestiaux encore. Je sais pas si vous en avez déjà goûté, mais c'est de la viande extra. Après, une autre espèce, la basadaise, c'est aussi des races à viande. Je connais pas du tout la viande, j'en ai jamais goûté.
Voici rendu la race emblématique de la région. C'est les blondes d'Aquitaine. Je vous rappelle, on est au salon de l'agriculture Aquitaine. Là, ils font honneur à cette race. Il y en a beaucoup plus que les autres races. En même temps, c'est un peu normal. Les blondes d'Aquitaine. Après, là, je vais vous amener voir d'autres vaches laitières. Tout ça, c'est des races à viande. Voyez le taureau primé avec le logo bleu, blanc, rouge. Voici rendu aux vaches laitières. Vous la connaissez tous, la race Primolstein. C'est celle qui est la plus élevée en France. Je voulais vous montrer un peu ce qu'elle mange. C'est du foin de pré, de dactyle, régra. Ah, je la fais réveiller, la cocotte. Elle mange aussi de l'ensilage. C'est de l'ensilage de maïs. Là, à fond la sieste en cet après-midi. Là, c'est aussi d'autres Primolstein. Elles ont la particularité d'être de couleur marron. On n'en voit pas souvent. La Primolstein en général, elle est blanche et noire. Et c'est assez sympa comme couleur. On finit avec les brunes des Alpes. C'est aussi une race à lait. Les moutons aussi sont présentés à ce salon agricole. Il y a plusieurs races. Là, c'est moutons de race vendéen. Les moutons Île-de-France. Ils vont bientôt pouvoir faire des pulls, ceux-là. Il y a sacrément de laine. Voilà un petit peu le berrichon du Cher. Il y a pas mal la race Suffolk. Le Solonio, c'est marrant comme mouton, ils ont la tête marron.